up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Et du coup, c'est le dernier jour de Anna chez la nounou. Donc, à la maman. Donc là, je vais lui préparer la sauce pour ses pâtes. Hier, je lui fais cuire des pâtes. Et là, je vais lui faire la sauce rapidement. Ça va être blanc de poulet, crème, parmesan. Simple, rapide, mais très très bon. Donc, je vais préparer ça rapidement et après, j'irai me préparer. Allez, c'est parti! You don't have to wake up. Marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Oh, yeah. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my home. Bon, bah du coup cette fois-ci c'est Mister qui est parti la déposer parce que flemme de m'habiller, de toute façon j'avais pas le temps. Et comme lui c'est en 2-2, enfin il s'habille, il se coiffe en 2-2 et puis c'est fini, bah il s'est proposé et c'est lui qui l'a déposé. Donc bah moi je vais m'atteler à faire le petit ménage rapide quotidien en fait, au niveau des chambres aérées, etc. Pour celles qui avaient vu la vidéo où j'avais fait le cours en ligne il n'y a pas très longtemps, vous savez sur la vidéo je reprends les cours. Pour celles qui sont intéressées pour savoir un peu ce que je faisais, vraiment voilà, en savoir un peu plus, je vous laisse avec un extrait juste après à ce sujet. Il y a quelques jours je vous ai parlé du fait que je reprenais les cours. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me demander pourquoi. Quoi comme cours, et surtout vous étiez intéressés pour savoir où est-ce que je prenais des cours. Du coup j'ai testé la plateforme en ligne Skyeng et je vous laisse tout de suite avec mon avis à chaud une fois que j'ai fait le cours, ce que j'en ai pensé. Je l'ai filmé, c'était juste après, je voulais à tout prix m'exprimer, donc je vous laisse avec les images. Bon, mais je viens de finir tout juste mon cours et j'ai trop aimé. J'avais un peu la boule au ventre parce que ça me stressait un peu, j'avais peur de tomber sur un prof pas sympa ou une prof pas sympa, parce que c'est un peu le souvenir que j'ai gardé de l'école, c'est que mes profs d'anglais étaient pas sympas en général. Enfin, pas sympa, mais plutôt strict et sévère. Et là, en fait, c'était pas du tout ça. La personne, elle était jeune, elle rigolait beaucoup. Enfin, vraiment, elle m'a mis super à l'aise, super bon feeling, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment trop aimé. Si Anna avait été plus grande, ben, je l'aurais inscrite, c'est sûr. Donc, ouais, je pense que j'attends qu'elle grandisse un petit peu et... D'ici à ce qu'elle ait 3 ans, je pense que ça pourrait être intéressant de faire quelques cours par-ci par-là. Surtout qu'ils sont ludiques, il y a des couleurs. C'est super intéressant et surtout c'est pas ennuyant, c'est pas barbant, c'est trop kiffant. Voilà. Du coup j'ai pu tester l'application Skyeng qui est quand même l'une des plus grandes académies d'Europe en anglais. Ce qui est pas mal à savoir c'est que les cours sont flexibles. On peut prendre rendez-vous vraiment quand on a le temps. C'est accessible via téléphone et par tablette en passant par leur application Skyeng, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être sur ordinateur pour y avoir accès. Et c'est personnalisé, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment 100% en fonction de vos besoins. Si vous êtes un enfant, ça sera des cours personnalisés pour des enfants. Mais si vous êtes un adulte et qui veut se personnaliser dans la coiffure pour aller travailler à New York, ça va être vraiment ciblé sur la coiffure. Et... vous allez en apprendre plus sur votre métier, mais en anglais. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez changer de professeur quand vous en ressentez le besoin. C'est-à-dire que ça peut arriver, des fois on n'a pas forcément de feeling avec la personne qui est en face. Et bien on peut changer de professeur quand on en a envie, ça il n'y a aucun souci. Et à chaque fin, non, à la fin du cursus, si on peut appeler ça comme ça, à la fin de votre forfait, vous allez obtenir un certificat.
Et ce qui est vraiment vraiment pas mal, c'est que le premier cours, celui où le professeur détermine votre niveau, est gratuit et sans engagement. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Même si ça vous intéresse pas forcément de faire des cours, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on en est. Et peut-être que bah, vous allez aimer en fait le cours que vous allez avoir le premier. Et du coup, vous allez peut-être replonger dans les études juste en passant par ce cours-là. Du coup, pour les étudiants, vous avez un club de communication qui est gratuit pour vous. C'est un club en fait où on peut s'exercer pour parler en anglais. Et avec mon code promo, vous n'avez pas une leçon, mais trois qui sont offertes. Donc le premier, comme je vous ai dit, qui sert à déterminer votre niveau. Et deux autres qui seront déduits du forfait que vous aurez choisi, que ce soit 8, 16 ou 32 leçons. C'est pas rien ça. Donc je vous mets mon code juste ici, en gros, en large. Et je vous le mets aussi en barre d'information avec tout ce qu'il faut savoir, le lien, etc., etc., juste ici. Voilà. Sinon, dites-moi, est-ce que vous savez bien parler anglais? Moi, ça aurait été mon rêve. Vraiment, j'adore l'anglais. Vraiment. Mais disons que j'ai pas eu les bons profs. C'est toujours la faute des autres, c'est pas de ma faute de toute façon, c'est jamais de ma faute. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bisous. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard. Il est quasiment midi et on est en train de préparer les sandwichs dont on vous a parlé hier. Si vous avez regardé le vlog d'hier, Mister il est allé une demi-heure avant la fermeture à Marie Blachère et ils ont fait des grosses promos, enfin comme tous les jours. Je sais même pas pourquoi je suis en baisse. Ouais, grave. Tous les jours. Peu importe. Tous les jours, ils font des promos, ils mettent tout, ben, les pains spéciaux, entre guillemets, mais pas les baguettes classiques, et toutes les tartes, etc., à moins 50%. Et il a pris une tonne de trucs, genre des pains hamburger, des pains sandwich et tout. Et je vous avais dit qu'on allait faire ce sandwich-là, parce que ces pains-là, ils m'inspiraient trop. Du coup, voilà, on a fait cuire des œufs durs, j'ai coupé mes tomates cerises en rondelles, il y a du thon, de la mayo dans les pains, et de la salade. J'en ai beaucoup, moi, de... L'œuf, il était grand. C'est la taxe d'habitation. Quand même, hein. La taxe foncière. Vous aussi, vous faites ça? Moi, quand je fais un truc pour Mister, je suis obligée de le taxer. C'est... Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que ça me fait chier. Il déteste quand on mange en premier un truc qui lui appartient. Il est gros, quand même, cet œuf, hein. T'as pris les trois quarts de mon œuf. Il fallait pas prendre de taxes. Je t'ai... Non, c'est pas grave. En fait, si c'est grave. Vous savez pas, elle est au bout. Je suis au bout. Est-ce que je mettrais de l'harissa ou pas? Je sais pas, j'hésite, voilà. Harissa, voilà. Je peux pas rassurer. Et puis après, ça, tu le mets quand, là? De quoi? Ça, là, le temps. Par dessus, tu saupoudres comme du sel. Donc, je prends comme ça. Voilà. Voilà. Ça se saupoudre pas si bien que ça, ce truc. Hein. Comme du sel, je te l'ai dit. Ça se dépose plus. Voilà, ben, c'est ce que je viens de te dire. Mais t'en as plein les doigts après. Ouais, ben oui. Mais comme t'as déjà mis les doigts dedans, ouais, je vais pas me salir les mains, tu vois. Ah ouais, de ouf. T'inquiète, je vais faire pour toi et pour mais moi. Mais je te connais par cœur. Je te connais par cœur. Ben, c'est bon, là, il y en a assez. T'es ouais. Mis de gros quand même. Ça. T'as vu? Attends, j'éteins le... Voilà. Je bon, attends, je pose là. Attends, j'arrive. Tant que j'ai mis ça, maman, je vais... Non. Oh, putain, il s'est lavé les mains. Bon. Ouais. Voilà. Regarde comment tu m'as coupé mon pain. Ça, c'est dégueulasse, ça. Ouais, je sais, mais je l'ai fait exprès, parce que... Franchement, c'est dégueulasse. ...de deux grilles de sortie d'air chaud et de deux grilles de décompression. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas en train de se reformer sur un autre truc? Attendez, vous voulez que je vous dise comment il a fait l'électricité? Comment il s'est formé pour l'électricité? Bon, déjà, laisse-moi tranquille, là, je suis en train de regarder un truc important. Non, ça vous, c'était un génie quand même. Il te faut une vidéo et c'est tout. Non, plusieurs. Là, c'est la première que je regarde, mais là, je vais en regarder des dizaines. Bah viens, on va leur expliquer. Va leur expliquer. Je vais leur expliquer, moi. Vous savez ce qu'on a décidé depuis hier avec Mister? Maintenant qu'on a carrelé ce spacieux et beau salon. C'est de foutre une cheminée là-dedans. Ouais, on aimerait mettre... À la base, on voulait mettre la cheminée ici, sur ce mur-là. Parce que juste derrière, il y a déjà une cheminée qui est installée au niveau du plafond, qui est celle de la hotte. Donc, on était parti sur ça, et puis là, on s'est dit qu'on mettrait notre meuble télé et notre télé dans le fond soin. Et je sais pas, Mister, il s'est imaginé un autre truc, il m'a dit non, on va faire autrement.
On va mettre l'insert, le poêle à... Enfin, c'est pas une cheminée, c'est un poêle à bois en réalité. Parce qu'on va pas le garder définitivement, mais non, mais vous allez me, vous allez me détester parce qu'on va faire des trucs de fou pour à la fin ne même pas les garder. Bon, c'est pas sûr qu'on les garde pas, mais il est probable que d'ici quelques temps, quelques années, ben on l'enlève. Quelques années. Un ou deux ans. Bref, donc le but c'est de mettre un poêle à bois ici, assez joli, qui sera incrusté dans un mur. Donc là, ils vont mettre une cloison et on verra plus que la tête de la cheminée. Et ben, ils feront eux-mêmes les conduits, parce que de ce côté, il n'y en a pas. Bon, c'est bien dommage, parce qu'il y a trois cheminées dans cette maison. Alors, il n'y en a aucune de vraie cheminée, vous savez, là où on met vraiment le bois et on brûle. Ils ont dû la détruire eux-mêmes. Mais il y a trois emplacements au niveau du plafond des cheminées. Malheureusement, ce coin n'en fait pas partie. Donc, on va devoir faire la cheminée nous-mêmes, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà un trou d'aération juste ici. Donc ça va faciliter le travail parce qu'il y a déjà un petit trou et il faudra juste qu'il agrandisse. Et une fois qu'ils seront passés dans les combles, ben, ils referont un trou au niveau ben, des tuiles. Et au niveau rendu, j'ai trop hâte. Donc là, il y aura un mur en fait avec à l'intérieur un poêle à bois incrusté. Bon, l'idée, ce serait aussi de créer un tiroir en bas au niveau, au niveau du bas du mur. Pour pouvoir y ranger le bois. Donc ça, c'est à voir comment on va le faire. Est-ce que ça va rester ouvert? Est-ce qu'il y aura un mur? Est-ce qu'il y aura un petit truc pour fermer? Je sais pas du tout, on verra. Mais voilà l'idée. Donc, avant qu'on fasse ça, Mister... C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Mister veut manger pizza ce soir, donc on va faire une pâte. Et elle va poser pendant qu'on va aller regarder les poêles dans les magasins. Pour regarder un petit peu, s'inspirer et voir sur quoi on va partir. Voilà, il est possible qu'on parte sur quelque chose d'occasion, si jamais les prix sont vraiment très très intéressants. Sinon, on partira sur du neuf, si les prix aussi sont intéressants. Donc on verra bien. Allez, je vais me changer parce que ce pyjama, je me suis continué toute la journée comme si c'était un dimanche. Donc on va changer, on va se préparer. Ça y est, on est sorti. Direction, on va au Roi Merlin, le Roi Merlin, ou à Brico des Beaux. Pareil. Donc on va y aller. Regardez le temps qu'il fait, s'il vous plaît. On va ressortir de là-bas, il fera nuit, genre nuit noire. Je pense qu'on va y arriver, il fera déjà nuit. Donc on y va tranquillement, on va se faire une idée. Alors je sais pas si cette idée de poils incrustés tient toujours, parce que ben, Mister se renseigne depuis tout à l'heure. Et du coup c'est quand même très complexe. Bon, on se doutait bien que ça allait pas être genre, hyper facile. C'est pas aussi simple que celui que tu poses et que tu raccordes à une cheminée et puis on n'en parle plus quoi. Donc on va voir, on va se renseigner un petit peu, on va voir un petit peu et il est probable que ce soit un poêle incrusté, mais il est probable aussi que ce soit un poêle classique comme chez tout le monde. Voilà, sinon si vous allez me demander quel type de poêle, ce sera un poêle à bois classique et pas un poêle à granulés. C'est un insert. C'est un insert, voilà, parce que les poêles à granulés sont hyper chers je trouve. C'est proche de ouf. Ouais, c'est très cher. Donc voilà, allez, on y va et on reprendra là-bas pour vous montrer un petit peu ce qui existe et ce qui se fait. Bon les gars, on est à Brico, Leroy Merlin. Leroy Merlin, ouais. Donc, on a attendu pendant combien de temps? Une demi-heure. Facile. Et le pire, c'est qu'il y a des gens, genre, ils nous passaient devant. Normal. Ils venaient, ils disaient, bah, oui, mais moi, depuis tout à l'heure, j'attends. Ouais, mais nous, depuis une heure, on est là, ouais, les gars. C'est ça. Donc bon. C'est juste que nous, par respect pour la personne avec qui il parle, ben oui, on va pas l'interrompre. Non mais eux les gens ils se collent carrément. Ouais, ils se collent à lui, ils sont là. Ils sont comme ça. Mais non, enfin un peu de respect. Ou bien il y en a carrément. Bonjour. Voilà, il le coupe. Ouais, laisse-le parler, laisse-le finir le pauvre. Mais pour vraiment être poli, ça paye pas. C'est ça, ouais, parce qu'on s'est fait passer devant par tout le monde. Là, on cherche. Bref, on est venu, on a attendu. Du coup ils en ont pas. Qu'à en la fait. Fin ils nous disent ah mais non j'en vois pas un seul. Ouais, en fait c'est que sur site internet, il m'a dit ça prend trop de place et du coup ils en vendent pas. Donc voilà. Bon, on va prendre du joint. Ouais. Déjà, c'est on bien. Est venu, on n'est pas venu pour rien, au moins. Et voilà. Peut-être qu'on ira regarder à Casso si on en a envie. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on va prendre notre petit jeu. À Brico des Beaux. Ouais, allez. Casso, c'est trop loin. C'est ça. Allez. On est rentré à la maison. Mais j'avais acheté le coin en plus, la changer. Ouais. Tu te souviens ou pas? Mais j'avais pas fait. Parce que. C'était en pleine nuit et tu attendais le jour. Ouais, c'est ça. Et après, je les ai appelés. On vient de rentrer à la maison. Regardez ce qu'il fait, mon mystère d'amour. Cet homme, tellement parfait. Je crois que je le fais pour toi, sérieux. Non, mais oui, bref. Voilà. On est comme ça, dites-moi si vous aussi vous êtes ce genre de couple. Moi ce soir je me suis fait un plat tunisien que j'aime trop. Sauf que Miloud il m'a dit j'en ai marre.
T'as un problème avec ce plat. Tu en parles tout le temps, tu le fais tout le temps, ça fait... Je crois que sur ce mois-ci, ça fait la troisième fois que je le fais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que je peux pétrir là. Non. Non, non, non. Non, non. Si tu veux, prends la planche. Quelle planche? Elle. Ah, ouais. Bref, du coup, ben moi je me suis fait ce plat parce que je le voulais vraiment. Et lui là, il voulait faire de la pizza, donc ben pizza maison. J'ai un pizzaïolo à la maison. En plus, il est fait super bien. Voilà. Donc nous, c'est team pâte fine, très fine. J'espère qu'elle va être fine cette pâte parce que c'est une nouvelle recette. On n'avait pas de levure boulangère. On n'avait pas de levure boulangère, du coup, il a fait avec des levures chimiques. Tu chantes, Anna? J'espère que ça va passer. Ouais, on verra bien. Donc voilà. Là, je me suis posée tranquille avec mon plat. Ce plat, les gars. Oh là là. Ma mère, au bled, surtout, il a un goût. C'est pas le même qu'en France. Au bled, avec les pâtes, les frites fait maison. Avec un petit peu de persil sur les frites et un petit peu d'oignon comme ça, haché. Du sel et du cumin. My God, rien que je m'en rappelle. C'est... Enfin, bref. Allez, bon appétit. Tu dis bon appétit ? Petit. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend